La longueur. Comment ça va les gens, les retour sur la carrière de Franco le meneur. Et on s'est fait trouer par les Spurs et OKC au match juste avant. Mais bon, d'ailleurs on est sur une série de combien de défaites là avec ces Suns là? Oh mon dieu, 4 défaites et on a battu les Celtics, c'est encore une défaite avant, enfin bref. Au classement, d'ailleurs je vais regarder tout de suite, c'est où le classement déjà? Stade de la Ligue. Palmarès, non, classement, juste là, je l'ai loupé. Conférence, on doit être très 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 bas à l'ouest. Ok, on n'est pas dans les derniers, mais on est à 5-10, c'est vénère. Les pires, c'est, ils sont à 3-13 avec Sacramento, mais... On n'est pas encore dans les playoffs du tout, on n'est pas encore dans le top 8. Mais on va monter au fur et à mesure de la saison. Et surtout là, comme ce match-là, j'ai enfin mon poste de titulaire. J'ai combien de minutes du coup? Équipe NBA, mes minutes. Pourquoi j'ai que 26? Attends, il a combien? Ah! Le mec qui était titulaire à ma place, c'est lui, Elio Kobo, le français d'ailleurs, qui dans la vraie vie devrait être titulaire, avoir pas mal de temps de jeu avec les Suns, mais là, je l'ai pris sa place, il était titulaire, il est passé titulaire à même pas une seconde de jeu. Même pas, il est dans la liste des joueurs, il est dans la réserve, wesh. Et, ok, c'est logique. Après, il a 70 de général, donc c'est, ouais, c'est vrai que c'est le pire de l'équipe en général. C'est un truc de ouf, n'empêche de se dire que le titulaire, c'est le mec qui a le pire général de l'équipe. Enfin bref. Maintenant, ça va être Franco le meneur, qui va jouer avec Booker et ses gars. C'est parti. On joue contre Philly. Attends, on va vérifier la difficulté VTF. Alors, on fait une 12 minutes. On est toujours là. Il y a des gens qui me disent de diminuer la difficulté parce qu'on galère, mais je sais. Déjà, on est avec les Suns et pas une équipe archi forte comme beaucoup de gens prennent. Genre, je sais pas, OKC, Warriors, Lakers ou je sais pas. Une meilleure équipe, donc on galère plus. Et en plus, en Hall of Fame, donc j'ai un double challenge, mais vous inquiétez pas, on va se débrouiller. Dans la vie, il faut tenir le coup quand c'est difficile, c'est là que tu fais tes armes. Allez, c'est parti. Hall of Fame contre Philadelphie. L'équipe que j'avais l'année dernière sur la carte de 2K18, avec mon gars sur Joel Embiid, là, et Ben Simmons. On n'a pas eu des grands moments ensemble, là, sur 2K18, mais bon. Là, j'ai plus à m'en occuper. Je suis sûr que c'est là qu'il va me fumer. C'est... Quand je joue contre lui, il va se mettre à passer en mode Super Saiyan australien. Là. D'ailleurs, il n'y a pas que Ben Simmons dans l'équipe adverse. Là, il y a aussi Joel Embiid. Et j'espère que DeAndre Ayton va pouvoir se débrouiller face à Joel. Il va pas se faire taffer au poste. On est prêt, frérot. Je savais, frérot, mais pas de soucis. Allons-y. Exactement. T'as l'impression qu'il voulait... Vous voulez le prendre dans ses bras pour une seconde et il s'est retenu, il s'est dit c'est le coach. C'est pas mon oncle. Franco le meneur, titulaire, on est là. Bon, la musique elle déçoit un peu parce qu'on est à l'extérieur là, ils nous mettent une musique d'ascenseur, mais une musique de salle d'attente de chez le médecin. Alors, titulaire au poste de meneur, c'est TJ McConnell. Ok. C'est pas Ben Simmons alors. Ah, il faut jouer Ben Simmons au poste d'ailier fort. Dans la vraie vie, il est meneur, mais en tout cas, ils disent non. Faut pas abuser, gros. On a vu ce que t'as fait l'année dernière. Quoique, non, qu'est-ce que je dis l'année dernière quand je jouais. Ah non, j'étais pas meneur, j'étais ailier, putain, j'ai oublié vite. J'ai tout le temps été ailier avant le 2K19, donc je sais pas pourquoi j'ai oublié. Mais... Ouais, j'étais ailier. Et c'était Markel Fultz qui jouait meneur et Ben Simmons, il était ailier fort. Non, bah non, vu que moi, je l'ai mis ailier fort. Ah non, la plupart du temps, je jouais arrière, voilà. Et lui, il jouait ailier. On avait full 101. Mais comme son tir était suspect, c'était pas la meilleure des situations. Ok, on est parti, on commence bien. Nice. Allez. On va se les faire, les Celtics. Je sais que ça va pas être facile. Parce qu'en Hall of Fame... J'ai dit Celtics, Philadelphie, je voulais dire. Je dis, je sais que ça va pas être facile parce qu'en Hall of Fame, là... Déjà, des adversaires tout basiques, genre, je sais pas... les Nets ou... Qui est bien nul, genre les Kings... C'est une galère, alors les Sixers en Hall of Fame, ça va être un enfer, mais... On va se débrouiller.
J'ose même pas imaginer comment ça va être contre les Warriors, gros. Mais je pense que ce match, on aura plus de chance de le gagner à ce moment-là. Sors de là, McConnell, tu crois faire quoi? Allez, défends-le. C'est ça, les gars. La défense est solide. Booker, s'il te plaît. Ouf. Action parfaite. Allez, Jackson, s'il te plaît. Oh oui, mais on joue bien, là. Ça me plaît, ça me plaît. Je suis obligé de dire s'il te plaît parce que tu peux jamais être sûr avec les Suns s'ils vont... si vous faire le taf ou pas quand tu leur fais la passe, mais... Ok, Booker, step back. Nice. Écran illégal Covington, c'est ça, allez. Tout ce qu'on peut avoir, on le prend. Qu'est-ce qui vient de se passer, là? Allez, on commence le deuxième carton, on perd de 6 points, là. On n'a rien fait pendant le premier, mais vraiment rien. Mais l'équipe a bien joué. Booker aussi a surtout fait du sale. On va faire notre taf dans le reste du match, espérant qu'on puisse gagner ça. Allez, petit spin move. Donne-moi ça, merci, ça fait plaisir, le leader est là. C'est pour toi, frérot. Oh, Bridges, comment tu piques ma passe des gros. Donne-moi ça, le leader. On part cette fois, je fais pas de passe. Enfin, ouais, je peux. Allez, pars, pars, pars. Ah. Hall of Fame, gros. Tu peux pas respirer une seconde. Allez, Ayton. Oula. Un peu de chance que t'as eu la faute, je vais pas te mentir là parce que. Oh oui, rends-lui le bloc, bien sûr, bien sûr. En plus, le tien, il compte ce bloc. Sors de là. Le sien, il était illégal. Allez, Jackson, tout seul. Pourquoi j'ai eu confiance en toi, Jackson? Ah oui. On part. And one. Ok. Hop là, merci. Hein? Attends. J'ai même pas le temps de capter ce qui se passe. J'ai la balle. Et j'ai plus la balle. Paire de balles. Ok. Oh mon dieu. C'est ça, frérot. Bateau, Ayton. Bon, mi-temps 47-60. Faut qu'on remonte ça. Allez, Jackson. Allez, s'il vous plaît, Touquet. Pas de dinguerie. On y va. Ya. Yeah. Allez. Il faut faire des prières hein, pour des actions normales dans une difficulté un peu plus basse ou même en online. Quand t'as Hall of Fame, il faut que tu fasses 5 prières avant de la faire, l'action, parce que... Sinon, ça peut très mal tourner. Mais je t'avoue, c'est encore plus compliqué quand t'es meneur que quand t'es genre arrière ou ailier quoi sur cette difficulté. Truc de malade. Ou même pivot d'ailleurs. Je pense pivot ça doit être la position la plus facile à gérer en Hall of Fame parce que t'as moins de trucs à faire et t'es. Tu fais tes écrans en retard, tu prends les rebonds, tu cales tes moves, tout ça. C'est un peu plus compliqué parce que la défense est plus forte, mais ça va être moins compliqué parce que dans tous les cas. Par exemple, quand tu joues au poste, tu vas toujours avoir un mec contre toi, tu vois, et tu vas pas vraiment besoin d'avoir là l'espace pour jouer, tu vois. Alors que quand t'es un meneur, par exemple, genre, imaginons, tu joues en ligne, t'essaies d'avoir de l'espace pour pouvoir prendre tes tirs, faire ce qu'il faut, tu vois. Mais là, Tema, il est en train de coller son nombril contre le mien, limite, à chaque seconde, tu vois. Et peu importe ce que je fais, il trouve toujours le moyen d'être là. Je suis là. Merci. Allez, on fait un petit comeback, on revient à 10 points. Allez, le comeback est là, 9 points. C'est quel layup de l'enfer, ça. Ouais, mes partenaires n'aident pas trop. Hein. Allez, donne-moi ça. Et on... Ah. Oh mon gars Chandler, il est là. Ok, parfait, parfait. Et je crois que je peux changer les titulaires et les remplaçants. Vu que j'ai 90 là. Je vais mettre Chandler en titulaire parce que... Ok, quatrième carton 70-84. Ok, c'est faisable. Allez, tout seul à Risa. Merci. Plus que 5 points. Allez, Booker. Oh oui. On peut le faire.
Oh oui. Magnifique Jackson. Ah, dommage. Ah, je voyais déjà le N1. T'aurais dû mettre le N1, frérot. Oh oui. Allez, découvre ça aide. Allez. Oh oui. Le petit dunk clutch. Allez. Allez, allez, allez. Allez, bats-toi, frérot. Ya Le leader qui fait le taf en défense. Et on a combien d'interceptions là? On fait pas un super match. Quoique. Enfin au tir, vous voyez 36%, c'est vraiment pas. C'est pas top du tout du tout. Mais en défense. Et dans tout le reste du jeu, on est là. Pour moi. Vert! Allez! On peut le faire les gars. Oh oui Warren, c'était bizarre mais c'est rentré. Grand fadeaway est bien compliqué là. Et ce quatrième carton, il blague pas. Allez. Oh, j'ai été absorbé par l'écran. Ah. T'as de la chance que j'ai pas un ailier qui pourrait bien te bâcher par derrière là. Allez, Warren. Quel duel. Faute. Oh. Radzan, Embiid. Fais pas escroc, Radzan. Allez, en l'honneur de 2K18. On était la même équipe, Radzan. Pas l'escroc. On a mis encore. Oh putain, il m'a oublié. C'est vrai qu'il connaît Franco la longueur, il connaît pas Franco le meneur. Allez Booker, merci frérot. Et on dormait peut-être pendant la majorité du match, mais dans le quatrième on est là, on est clutch. Oui, je sais pas si j'ai aidé ou pas, mais il a raté, c'est tout ce qui compte. Remets. Oh, il a remis direct gros. Parfait, let's go. 3 points d'écart. Est-ce qu'il va défendre? Oh oui! Il a fait la passe parce que j'ai laissé un peu ma connelle. Et il en était sur la trajectoire. Non! Je lui ai balancé parce qu'il avait le takeover de dunker, d'agresseur là. Je lui balance un alley-oop. Le gars il fait un layup et il le rate. Tu m'expliques? Pourquoi il a un takeover d'agresseur alors? C'est pas du tout un dunker. Il a attrapé le truc mais il a fait un layup raté. Elle est pour nous. En parlant de Léo Praté, on part en part. Et Hall of Fame, il peut pas tenter le coup. Ayton. Cette fois, il le met. 107, 105. Et on a fait un quatrième carton de malade, gros. Là, la plupart du temps, mes partenaires, ils mettent pas du tout. Mais là, mes partenaires, ils étaient on fire. Ils ont tout joué. Parfait. Joueur du match, Franco le meneur, c'est ça. Et surtout, avec cette difficulté-là, je peux rien faire si les partenaires autour, je leur fais la passe et ils font rien, ils ratent et ils font des trucs bizarres. Ce qui se passe très souvent avec cette équipe. Mais là, dans le quatrième carton, ils étaient présents. Et même en défense, ils étaient là. Donc, allez. Mais il peut toujours se passer des dingueries. On connaît Touquet. Même s'il y a 5 points d'écart. Surtout pas de 3. Ok. C'est pas grave. Balance-moi la balle et je finis le match sur la ligne. Et on s'est battu. Mais quel. Oh là, on était tellement clutch à la fin là. Magnifique. Magnifique. C'est ça les gars. J'ai presque un triple double là. J'ai 8 rebonds, 10 passes des. Genre 30 points par là ou 29. On a fait le taf. Et j'ai plein les interceptions aussi. Je dois en avoir 5 ou 6 facilement. Allez. Eh. Il y a eu des moments, je savais pas si on pouvait les battre cette team, mais on l'a fait. Suns ou pas, Hall of Fame ou pas. Le taf est là. On ne nous arrêtera pas. Et si j'étais rebeu, je rajouterais Hamdoulilah. Très bonne stat en fin de match, 27, 8 et 11. Avec 5 ou 6 interceptions. Et on va se faire interviewer, c'est notre moment. Par contre, là, dans les cinématiques, Ayton il fait la même taille que tout le monde alors que c'est le pivot de mètres, je sais pas combien. Hey Shaq here. Watching tonight, I thought your ability to create for others was the key ingredient. Was that the idea coming in? J'essaie de pas y penser. L'équipe est meilleure quand tout le monde est impliqué, c'est vrai. J'ai pas voulu passer la réponse, mais elle est passée, merde. En tout cas, au moins on aura augmenté l'entente de l'équipe. On aura un meilleur collectif. On a bien fait le taf, il m'a bien plu ce match-là. On a été clutch de fou à la fin. Bon, sur ce, les gens, c'était notre premier match en tant que titulaire. On a enfin cassé la série de défaites là. Et on commence bien. Dans notre premier match, on peut finir le match. On a été clutch. On a fait le taf à la fin. C'est ça qu'il faut.
Sur ce, on se retrouve demain à 16h pour une nouvelle vidéo. Merci d'être là les gens, à la prochaine. My vision was blurry and now I see clear. You